Mais putain! Mais putain, mais t'es un malade, gros! Mais mes cheveux! Mais c'était... putain, mais t'es sérieux là? Roman! Non, non, je voulais pas faire ça, Alex! Alex, je voulais pas! Non, pas dans les fesses! Pas dans les fesses! Lâche ce couteau, Alex! C'était un prank, t'as pas de cheveux sur la tête! T'as pas de cheveux! Tu préfères regarder tes parents faire l'amour tous les jours ou les rejoindre une fois pour qu'ils arrêtent? À ton avis, rejoindre pourquoi? Pour prendre le thé? Tu veux m'inviter tes parents? J'ai même pas encore répondu déjà apparemment et je préfère les regarder tous les jours que les rejoindre. Tous les jours? Je habitué, tu vois. Et vous, Vincent, on peut pas vous poser cette question parce que vous connaissez pas votre père, tu vois. Et voilà, la question ne marche pas sans moi. Question que quand nous, on peut pas les répondre. Ok, guys, cette semaine, on est passé devant chez Margon pour prendre des nouvelles et voilà ce qu'on a trouvé. Rentre chez vous! Arrête, laisse-toi tranquille! Laisse-toi tranquille! C'est Marie! Rentre chez vous! Rentre chez vous! Rentre chez vous, ma soeur! Margon! Laisse les gens tranquilles! Margot, t'as le coronavirus? Moi je l'ai, je pense. Donc c'est pas ça les symptômes. Hey, qui es-tu? Hey, ce serait pas du exotique? Non, on se casse, d'ici. Margot, on te laisse dans ton quartier. Ah, ok. Ça veut dire que ça va encore avec. Monsieur, vous avez un problème? Je me suis endormi sur ma jambe et depuis. Vous êtes réveillé comme ça? Je la sens plus à la croix. Roman, t'as vu ce qui est arrivé? Vous me fatiguez, il est 5h du mat et. C'est mal à la jambe. T'as pas une pomade? Regarde si on a une pomade. Je sais ce que c'est, ça, Alex. Non, mais je sais ce que c'est, Alex. Ne m'approche pas. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est contagieux ce truc. C'est contagieux. Mais monsieur. Et ben voilà. Et ben voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on met de la pomade, monsieur. Allez, laissez-moi tranquille. Merci, Roman. Tu peux reposer la pomade. Roman, merci de ton aide. Merci Roman. Merci Roman. Ah mais qu'est-ce qu'on ferait sans Roman? Alex, oh non, il a encore affecté à la tête. Mais c'est impossible. Roman, ressors la pomade. Top Margot, cite 3 gestes tendres qu'on peut faire à quelqu'un. Des bisous, des câlins et sucer. J'ai pensé à genre des câlins dans le lit et du coup pour moi ça coulait de source. Ça coulait de source. Ah c'est dégueulasse, oh, on veut pas savoir, on veut pas en savoir plus là. Roman, mime 4 sons de paix différents avec ta bouche. Oh, allez-y. Yes. Tu vois, je vous avais dit qu'elle arrêtait pas de péter. Cette application, elle est avec vous, hein, c'est abusé. Non, parce que Margot, on a truqué l'application. Ils font que dire que je pète alors que c'est pas vrai. Depuis le début de la vidéo, ils arrêtent pas de dire que tu pètes. Hein. De quelle vidéo tu parles? De quelle vidéo? Elle est déjà en train de regarder mon jeu. Elle regarde que les meilleurs moments là. Tu vois, c'est pour ça qu'elle réagit pas, parce que c'est pas un meilleur moment. Ok, je voulais faire ce jeu avec tout le monde, mais vu qu'on est en confinement et qu'on peut pas, le jeu est simple. J'ai caché 5 œufs comme ça dans la maison. Je devais aussi acheter un cadeau spécial, mais vu que tout est fermé, j'ai décidé de mettre mon téléphone en jeu. Celui qui gagne mon téléphone. Je vais te tuer, Alex. Il y en a 5, c'est celui qui en trouve le plus qui gagne. Tu veux mon cul pour me préparer? Pourquoi il te donne de la force, ce con? Je suis la maravinga, c'est terrible, elle va pleurer. Mon but, c'est de la faire pleurer. Alex, c'est un jeu. Alex, c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu, Alex. Arrête, calme-toi. Oula, Roman, c'est. Ah oui, t'as pas la pression là quand tu vois ça? Non, pas du tout. J'ai la peine. 3, 2, 1, top! Envoie. Oh my god. Il y a tous les il y a des photos, il y a tout. Il faut que je formate avant. Non non non, tu formates pas du tout. Zéro. C'est qui Stéphanie? Ah oui, monsieur prend des photos quand même assez osées. Waouh, hey, c'était génial by the way. J'ai vraiment adoré cette épreuve. Non, Alex, ne saute pas. Je le prends pas comme ça, Alex. Non, Alex. Alex. Il a trouvé d'œufs. Ils sont pas cachés là. On peut dire que vous êtes pris une sacrée raclée, monsieur. Il s'est pris une sacrée raclée, je me suis pris 3-0. 3-0. On prend la manette à 3-0. Je vous sens sur une pente glissante. Pourquoi? J'ai décidé d'appeler quelqu'un pour vous aider. Et Sandrine. Il faut te reprendre, Alex. Il faut te reprendre. Ça peut pas durer comme ça. Sur le canapé comme ça. Moche. Vous êtes moche, madame, parfait. Je m'appelle Sandrine, je suis là pour redresser le tir. Serrez les boulons, comme on dit. Et Alex, t'as vu ça? Tu ne coupes pas la parole. Alex, tu peux pas rester comme ça tout le temps. Il va falloir te trouver un job. Il va falloir te trouver une petite copine, Alex. Elle a raison, Alex. La technologie et tout. Aujourd'hui, les jeunes sont sur la technologie. Non, mais tu penses que c'est ça qui va te donner à manger, Alex? Ton manger, tu penses que tu vas le gagner comment? Sur TikTok.
Faut que je fume. J'étais cantinière pendant 25 ans et avant ça, j'étais éducatrice. Vous étiez un peu Sandrine la grande sœur. Non, je n'ai jamais eu de sœur. En fait, j'ai. Non, mais c'est pas par rapport à la référence. Vous connaissez Pascal le grand frère. Vous pensez connaître ma vie. Non, mais par rapport. Vous pensez connaître. Oula. Max, t'es assis sur le comptoir. Je vais appeler Pascal. Mais vous le connaissez pas il y a 10 secondes. Bon, bah les couilles de Pascal, moi. Vas-y, appelle-le, il fait pas peur là. Non, Pascal et moi, on a une petite aventure. Ah, mais. Oh, ouais. Sandrine, vous le connaissez pas il y a 5 minutes, vous m'avez menti. Ouais, je vous ai menti, ouais. Ouais, parce que, ouais, je suis une menteuse, ouais. Parfois, ça m'arrive. Mais vous êtes qui, putain de merde. C'est qui ça. Going up to the spirit in the sky. Alex vient de m'avouer son rêve, c'est de jongler devant Patrick Sébastien. Là, genre. Là, il te regarde, t'es autour de la table, là, il te juge. T'es mais il juge pas, Patrick Sébastien. Il juge pas. Il juge pas. Tu sais qui c'est. Mais oui, parce que tout le monde, dans ma tête, tout le monde me juge, tu vois. C'est ça. Vous êtes paranoïaque. Ah, tu me juges, monsieur.